Hey, bonjour à tous. Je fais une petite vidéo, ça sera pas très très long. Je fais une petite vidéo, on est mercredi, demain c'est jeudi. Donc c'est demain que débute la grève de la soif que je m'en vais faire au Parlement de Québec. J'ai eu la communication avec la police de Québec encore aujourd'hui. Et je suis prête, j'ai un petit gazebo 10 par 10 pour me protéger. J'ai une dame aussi qui m'a prêté, elle est venue aujourd'hui me porter un lit de camp. Avec une tente puis une toilette chimique. Donc, je vais être bien à l'aise cette année pour faire la grève de la soif jusqu'à samedi. Donc, ça va débuter de 2 h demain jusqu'à 17 h samedi. Et je m'en vais faire une grève de la soif parce que je demande au gouvernement de la CAQ, à M. Legault, la création d'un poste d'ombudsman en Chambre de la jeunesse. Puis en même temps, je vais officiellement amener une pétition à faire signer. Les gens qui vont venir là-bas vont pouvoir signer la pétition. Puis dedans, je vais vous la montrer. Là, c'est la. Ben, je vais vous la lire, puis après ça, je vais vous la montrer vite fait. C'est pourquoi la nécessité de créer un poste d'ombudsman. Puis présentement, les directeurs, je vais vous la lire, la pétition qui va être présentée demain. Qui va être disponible à signer pour 3 jours, puis ensuite je vais la mettre sur le web pour qu'un député puisse la présenter à l'Assemblée nationale. Les points numéro 1, c'est présentement les directeurs et directrices de la protection de la jeunesse déposent des documents devant les instances judiciaires sans que personne n'intervienne lorsque des alertes de négligence ou de fausseté incluses dans les dossiers sont lancées par des parents et organismes en ayant les preuves. Le deuxième point, certaines enquêtes menées prouvent que des alertes fondées n'ont jamais été accueillis favorablement par les tribunaux, qui, bien au contraire et sans raison valable, ont porté plainte auprès de diverses instances afin de bâillonner certains organismes ou lanceurs d'alerte dont leur seul but était de prouver de manière fondée que le bien-être, la santé, la sécurité et l'éducation de certains enfants est en péril. La création d'un poste d'ombudsman en chambre de la jeunesse dans chaque district judiciaire permettrait aux enfants et parents concernés de bénéficier d'une personne neutre dans l'étude de leur dossier afin que soit soumis au tribunal un rapport d'opinion neutre sur la preuve disponible ainsi que sur les manquements au code procédural qui pourraient nuire aux droits des enfants et de la famille. Point numéro 4. Plusieurs enfants pourraient ainsi renouer avec leurs familles respectives et élargies. Point numéro 5. Moins d'enfants placés inutilement en centre jeunesse permettrait aux employés des centres jeunesse du Québec d'être en nombre suffisant pour veiller au réel bien-être physique, psychologique et éducatif des enfants confiés sous leur tutelle. Un ombudsman empêcherait que des crimes commis envers des enfants ne sombrent dans le déni des autorités au détriment du bien-être et des droits de l'enfant. Un ombudsman aiderait à désengorger les tribunaux de la Chambre de la jeunesse, car aucun dossier incluant des parjures ne serait toléré devant le tribunal, ce qui n'est pas le cas présentement. Un ombudsman pourrait procurer une économie considérable des frais d'administration, de gestion de dossier du directeur de la protection de la jeunesse. Et non seulement l'économie financière serait considérable, mais pourrait servir à désengorger les listes d'attente afin de porter secours aux enfants ayant un réel et parfois un urgent besoin de soins et de suivi de santé. Puis le point numéro 10, c'est qu'un ombudsman, c'est dans l'intérêt de l'enfant. Il n'existe aucune raison valable de refuser au gouvernement de la CAQ la création urgente d'un poste d'ombudsman dans chaque district judiciaire. Que demain, les gens pourront signer, je l'ai monté, que ça va être comme ça. Il va en avoir pour. Je vise. J'aimerais obtenir 5 000 signatures en 3 jours. Et. D'autres milliers quand on va la mettre en ligne, mais ça va être officiellement mis en ligne que les gens pourront la signer. Puis je vais trouver un député qui va vouloir la présenter à l'Assemblée nationale sur la commission, ou j'aimerais qu'il m'invite à la présenter à la commission avec le projet que j'ai préparé. Mais c'est ça, j'invite les gens qui veulent venir faire un tour à Québec, ou même ceux qui restent à Québec, de venir signer la pétition si les gens ont l'intérêt. Est-ce qu'il y a un tribunal impartial dorénavant en Chambre de la jeunesse qui vont veiller aux droits des enfants et à leur sécurité réellement? Ben c'est le temps. C'est vraiment le temps de bouger. Puis faut pas que la petite fille de Granby soit décédée en vain. Donc moi je m'en vais fermer la boucle. Dans mon cas, j'ai fait de la grève de la soif en 2013. Les gouvernements ont fermé les oreilles, bouché les yeux. Ils se sont carrément. Ils ont essayé de me mettre les bâtons dans les roues au lieu de faire un changement.
Et d'année en année, ben c'est plate, mais il y a eu des décès, dont celui de Granby. Donc maintenant, ça suffit. La CAQ est au pouvoir pour une première fois, puis qui nous démontre qu'ils sont aptes à regarder le pouvoir pour un autre 4 ans après. Donc j'espère que les députés vont venir me rencontrer, parce que où est-ce que je vais me positionner, en principe, je devrais les rencontrer quand ils vont quitter puis rentrer au Parlement. Donc j'espère que M. Legault va venir me dire bonjour. Puis j'aimerais à un moment donné pouvoir discuter honnêtement avec, dans un climat de calme, afin que justement les enfants puissent bénéficier d'un système qui les protège réellement. Que sur ça, je vous dérangerai pas trop longtemps pour ce soir. Je dois aller me préparer mes affaires pour demain. Puis inquiétez-vous pas, je suis pas suicidaire, j'ai pas l'intention de mourir de soif là, mais je m'en vais démontrer que je suis capable de me sacrifier pour une couple de jours, puis pour le bien des enfants. Ça fait que tout ce que je veux faire, c'est montrer au gouvernement que moi, je suis prêt à faire des sacrifices dans la vie. Eux, maintenant, est-ce qu'ils veulent aider les citoyens à amener une meilleure production pour aider les enfants, puis un meilleur système, parce que présentement, le système est réellement défaillant. Ça fait que je vais faire mon possible, puis je vous demanderai ben, de venir au moins, si vous voulez pas venir pendant les 3 jours, venez juste une demi-heure, 15 minutes, 1 heure, au moins prendre connaissance du document et le signer si ça fait votre affaire. Puis les autres, ben restez chez vous, ceux qui veulent pas de changement. Que sur ça, je vous souhaite un bon restant de semaine, puis je vais faire des vidéos le jeudi quand je vais être installé avec mes bannières puis le chapiteau. Je vais vous montrer ça. Je vais faire une vidéo live jeudi, un vendredi et un samedi. Puis les gens qui vont venir là-bas, oui, je vais écouter tout le monde. Je parlerai pas beaucoup parce que il va falloir que je garde ma salive puis que j'essaye de rester le plus longtemps possible sans boire. Donc, mais je vais être là pour vous écouter. Que sur ce, je vous souhaite une bonne soirée puis un bon restant de semaine. Bye!